L'évolution du processus électoral avec ses défis et perspectives en République démocratique du Congo, voilà l'essentiel de ce plateau spécial qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Jacques Ndjoli Essengekeli, professeur d'université, sénateur du mouvement de libération du Congo, inspecteur général de ses partis politiques. Avec lui, nous allons devoir aborder toutes ces questions relatives à ce processus électoral avec les élections qui sont attendues pour le 23 décembre 2018 en RDC. Alors, je ne suis pas seul dans ce plateau, je suis accompagné avec mon confrère de tout le temps, Michel Koyapa. Michel, bonjour. Bonjour Jean-Médard, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Congo Télévision. C'est un jour particulier, c'est également un spécial plateau. Vous savez, l'RDC vivra cette année 2018 une particulière histoire de son pays, avec notamment une première fois, une attendant démocratique qu'on va vivre à l'issue des élections du 23 décembre 2018. Les défis, comme vous l'avez dit Jean-Médard, également les perspectives par rapport à ce processus électoral et toutes les questions politiques qui accompagne également ces... Permettez-moi également de vous interrompre, Michel. À l'instant même, j'aperçois le professeur Jacques Ndjoli qui est en train donc d'arriver. Il va nous rejoindre dans un moment ici au plateau. Il vient donc, il est en train de monter les escaliers de CCTV. Nous sommes situés au troisième niveau de l'immeuble comme celle ici au centre-ville de Kinshasa. Et donc, le professeur va devoir nous rejoindre dans quelques instants. Voilà, c'est bien pas... L'invité aussi, vous savez, c'est un professeur d'université, un consulat de son état. Il va également devoir nous donner des éclairages, notamment sur les questions de la constitution de notre pays, la Cour constitutionnelle. Vous savez, avec les différents recours introduits et les arrêts rendus à cet effet. Nous aurons également le temps avec lui sur ces plateaux, ces beaux plateaux. C'est pour une première fois d'ailleurs, vous savez, la révolution de la modernité au vrai sens du mot. Nous sommes en train de la vivre à Canal Congo Télévision. C'est vrai, notre promoteur, le sénateur Jean-Pierre Magomo, bien qu'il a été absent pendant 10 ans du pays, mais n'a pas, en tout cas, ménagé aucun effort pour que nous puissions être au devant de la scène et surtout que la chaîne soit aussi une chaîne de la dimension internationale. Et c'est un défi que nous relevons. Alors, le professeur Omessien, déjà, il est devant la porte. Il va pouvoir faire son entrée dans ce studio. Voilà, vous le voyez, Monsieur Jacques Ndjoli Essengekeli, professeur, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Michel. Bonjour, professeur. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous étiez à plein boulot. Tout le plaisir, tout l'honneur est à moi parce que vous me faites l'honneur de venir partager avec vous la joie d'avoir ces studios ultra modernes de Canal Congo Télévision, donc c'est vraiment un plaisir d'être là. Il faut peut-être dire un coup de chapeau à monsieur Jean-Jacques Mamba. Oui, on a été un peu... On se disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de mijoter, ça traîne, nous lui avons donné 100 jours, et on était au-delà des 100 jours, on se disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer comme coup. Ben voilà, nous sommes très heureux du travail qu'il a fait. Merci beaucoup Jacques Ndjoli, c'est donc la première émission, Michel Koyapa l'a souligné tout à l'heure, la première émission qui inaugure donc ce beau plateau de CCTV. Alors, avec le professeur, nous allons faire un tour au niveau de Bruxelles pour analyser la déclaration, la dernière déclaration faite par l'opposition, les leaders de l'opposition, au nombre desquels le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous allons également revenir au pays pour parler du verdict très attendu, le verdict concernant l'affaire subornation des témoins qui concerne Jean-Pierre Bemba. Et le verdict qui est attendu donc pour le lundi 17 septembre prochain. Si nous avons le temps, nous pourrions également aborder la question relative à la matinée politique du mouvement de libération du Congo qui sera donc tenu ce samedi ici à Kinshasa. Alors, professeur Jacques Ndjoli, au-delà de différents préalables qui ont été soulignés ou évoqués dans la déclaration conjointe de l'opposition, comment avez-vous trouvé cette réunion de l'opposition, une première réunion comme ça qui se tient dans une capitale occidentale, plus précisément à Bruxelles en Belgique? Mais nous pouvons que nous féliciter parce que cette réunion répond à une attente populaire forte, celle d'avoir des élections libres, transparentes, apaisées, inclusives, qui pourront amener à une vraie alternance. Vous savez, moi, comme vous savez, je suis un peu constitutionnaliste. L'alternance, c'est la rotation de... Vous êtes constitutionnaliste. Oui, voilà. Donc, c'est le changement de politique. Oui.
On nous parle même d'alternative. Nous venons de faire 17 ans d'un pouvoir et on ne peut pas accepter que ces pouvoirs, sous le couvert d'un soi-disant changement d'équipe, mais en fait c'est la même équipe qui devra continuer, et cette équipe, le peuple congolais n'en veut plus, veut l'alternance, et cette alternance doit se faire par une opposition responsable. Et la réunion de mercredi à Bruxelles a permis de jeter les bases solides, n'est-ce pas, de l'émergence de cette alternance. Et nous avons continué les travaux ici à Kinshasa. Je crois que demain, il y aura un autre communiqué, une communication de l'opposition pour la suite. Parce que là, c'était tout simplement ces leaderships qui se sont prononcés. Les six leaders, au total. Hein, six. Et les deux qui sont restés ici, l'honorable Fayoulou et Matungulu, ont travaillé avec nous. Demain, nous allons donner la suite des actions qui vont être menées pour amener le peuple congolais à avoir de bonnes élections et surtout avoir un nouveau leadership le 23 décembre 2018. On a souvent constaté une sorte de trahison au sein de l'opposition politique congolaise. Est-ce que cette fois-ci, on peut espérer une bonne dose de confiance mutuelle entre les différents leaders de l'opposition face aux attentes de la population pour les élections apaisées, surtout démocratiques, attendues le 23 décembre prochain? La confiance s'est construite. C'est construit. Il était fait que la sociologie politique congolaise est faite de fragmentation. Depuis 1960, voire même plus, vous savez, il y avait plusieurs MNC, MNC Lumumba, MNC Nendaka, MLC Kalungi. On a eu beaucoup de... Dans l'histoire présente, vous avez l'histoire du MLC constitué par des départs de plusieurs secrétaires généraux et des cadres. Et ça n'a épargné aucun parti politique. Il y a des partis politiques, je peux prendre le cas de l'UDPS, où il y a plusieurs UDPS et autres. Mais je crois que malgré cette transhumance politique, il y a une donne. C'est que le peuple congolais, qui est la base, n'est-ce pas, le souverain primaire, aspire à une autre gouvernance, aspire au changement, et cette volonté de changement, et c'est ça qui sous-tend. Nous allons avoir, nous avons eu 6 candidats, on va avoir 8 sur plus ou moins 19 ou 26. Ce qui est important, c'est que ces leaderships puissent comprendre les attentes du peuple congolais. Les attentes du peuple congolais. Un peuple qui, aujourd'hui, est qui aspire, esclave. Mais qui aspire au changement. Hein, donc c'est... Esclave sur une terre immensement riche. Ce peuple qui aspire justement à ces élections du 23 décembre, mais ces élections qui semblent être boudées par l'opposition. Non, l'opposition ne boude pas les élections. Au contraire, l'opposition exige des élections, mais pas une parodie des élections. Justement, professeur, c'est là aussi la question sur la substance même de ces préalables posés par les leaders de l'opposition à Bruxelles. En peu de mots, c'est vrai qu'on connaît en plus ou moins ces préalables, la libération, les mesures, la mise en œuvre des mesures de crispation politique contenues dans l'accord de la Saint-Sylvestre. On parle aussi des exclus et des invalidés qui devront prendre part à ces élections. Mais c'est là la problématique. Comment ça va se faire? Quels mécanismes devront vous allez mettre en place pour que finalement ceux qui sont exclus ou ceux qui sont invalidés par la Cour constitutionnelle, vous savez que la décision de la Cour est irrévocable, mais qu'ils puissent revenir, c'est ça la question. Mais c'est pas à leur problème. Non, je crois qu'il y a eu la rencontre politique de haut niveau à Bruxelles, il y a la rencontre stratégique de haut cadre qui s'est faite à Kinshasa, et puis il y a les résolutions et les actions. La stratégie ne se fait pas dans la rue. Mais ce que nous allons vous annoncer, à partir de demain peut-être, c'est que à partir du moment où nous avons une vision commune, nous avons un langage commun, c'est que nous devons avoir les objectifs communs. Les exclus, parlons-en. Quelle est la valeur des arrêts d'une cour constitutionnelle qui viole son propre règlement, qui viole le droit? Vous savez, la cour ou les juridictions sont souveraines. Mais les souverains, c'est le peuple. Donc, il faut que les arrêts que vous rendez soient en osmose avec les attentes ou l'idée de la justice du peuple.
Ce n'est pas la première fois qu'on a des arrêts. Vous vous rappelez, il y a eu des arrêts qui ont déclaré que le président Kabila pouvait rester autant qu'il voulait. Mais plus tard, qu'est-ce qu'il y a eu? Malgré cet arrêt-là. Il y a même des arrêts qui ont réhabilité certains gouverneurs qui n'ont jamais pris leur fonction. Voilà, donc la Cour, tant qu'elle ne comprendra pas que sa substantialité, son essence est dans le respect du droit, comment peut-on imaginer une cour constitutionnelle composée de juristes qui peuvent dire que la subornation égale la corruption? C'est que même un étudiant de premier graduat ne peut jamais dire. Donc à partir de ces moments-là, ces arrêts ne valent rien du tout. Donc là, on est dans une situation de crise politique qui valent bien une solution politique. On peut l'appeler ainsi, mais si je dois revenir sur le cours, on a remarqué qu'en Afrique, le cours constitutionnel, au lieu d'être des outils de règlement de conflits ou de résolution des conflits, deviennent elles-mêmes des outils du conflit. Rappelez-vous, en Côte d'Ivoire, la même cour qui a dit que Gbagbo était élu après avoir annulé le résultat de Ouattara, c'est la même cour qui va venir encore proclamer Ouattara. Donc, le cours constitutionnel africain travaille dans un environnement post-autoritaire et qui rend des arrêts sur commande et des arrêts qui ne valent absolument rien. Et voilà pourquoi le point 4, n'est-ce pas, de la rencontre, insiste sur l'inclusivité. Comment on peut aller à une élection où un candidat majeur, je prends par exemple Moïse Katumbi, est empêché de rentrer chez lui pour poser sa candidature? Est-ce que c'est normal qu'un Congolais soit privé de ses droits primordiaux, le droit civil et politique, le droit de participer à la gestion? C'est un droit consacré par la charte africaine, mais ce n'est pas seulement la charte, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Vous allez lui priver ça comment? Comment M. Bemba, qui a été acquitté, qui rentre dans son pays, est privé du droit de se présenter, soi-disant parce que la Cour s'est basée sur une lettre du Premier ministre ou d'un ministre qui lui aurait dit que voilà, corruption égale subornation. Mais c'est une absurdité. Absurdité. À l'absence de la mise en œuvre de ces différents, ou soit si le gouvernement ne respecte pas ses préalables, il n'y a préalable posé, ça c'est la substance même de la déclaration, vous dites le gouvernement et la CENI seront tenus pour responsables du chaos et des désastres qui va subvenir. C'est une menace. Quelque part, en fait, ce n'est pas une menace. Mais il disait que c'est un complot contre la République en même non, temps. Non, mais c'est. Écoutez, l'architecture, le fonctionnement de l'État repose sur la Constitution. Nous sommes d'accord. Et cette Constitution fait du peuple le souverain. La souveraineté appartient au peuple. C'est l'article 5. Et lorsque vous n'exercez pas le pouvoir, y compris dans son mode d'acquisition, d'exercice ou de dévolution, le peuple, à l'article 64, a le droit de vous remettre dans la bonne direction. Il n'y a pas de complot. Le complot, c'est eux qui le font pour confisquer le pouvoir. Le peuple, lui, est conscient que je veux Bemba, je veux Moïse, je veux librement choisir. Mais vous voulez vous comploter contre ce peuple. Et ce peuple, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vous laisser monter votre coup d'État constitutionnel. Non! Et en même temps, c'est cette constitution qui dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables ou ne peuvent pas changer, ne peuvent pas faire l'objet. Et alors, concrètement, qu'est-ce que vous envisagez? Ah non! Quand vous prenez une disposition comme ça de manière désincarnée, vous ne comprenez pas le droit. Mais attention! Ça, c'est l'article 162 et autres suivants. Mais l'article 162 dit la justice est rendue au nom de qui? Du peuple. Donc, lorsque votre justice n'est pas conforme à la vision du peuple, vous envisagez une sorte de refonte de la Cour constitutionnelle ou c'est comment? Mon cher c'est ami, cette même Cour constitutionnelle qui va rendre les arrêts à l'issue de l'élection de 2000. Dans son programme, a pour axe principal la réforme des institutions. Une Cour constitutionnelle qui pendant plus de 3 ans, d'abord le mode de désignation de ces juges n'a pas été conforme. Vous savez qu'il y a des juges qui ont été démissionnés et d'autres qui sont là sans avoir respecté la procédure de tirage au sort. C'est une cour
irrégulière. C'est une question qui n'est plus d'actualité, professeur. Si, si. Vous avez dû attaquer ça à l'époque, mais vous avez laissé passer les choses. Lorsque l'irrégularité atteint le soubassement, mais voilà les conséquences de juges qui sont au garde à vous, qui sont instrumentalisés, caporalisés par un pouvoir. Alors, voilà les problèmes. Pour les Kabemba, je crois, juste après la décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle, vous, au niveau du MLC, notamment le président lui-même, vous aviez annoncé votre intention de saisir notamment les juridictions internationales au niveau de la Cour, au niveau de l'Union africaine. Oui. Où est-ce que vous en êtes avec cette nous démarche? Nous sommes en train de suivre parce que, n'oubliez pas que le président Bemba... Vous êtes en train de suivre. Oui. Vous n'êtes pas encore prêt avec le... Non. C'est une procédure. Vous savez que jusqu'à présent, nous ne sommes même pas encore notifiés de l'arrêt de la Cour. Depuis qu'on a rendu l'arrêt, ça fait plus de 2-3 semaines. Comment nous allons arrêter devant les juridictions internationales africaines? Est-ce que c'est un oubli de la part de la Cour constitutionnelle? Mais vous voyez, donc c'est déjà une réalité. C'est déjà une réalité. Donc, jusqu'à présent... on ne nous a pas encore notifiés, peut-être aujourd'hui. Donc à partir du moment où nous ne sommes pas notifiés, nous ne savons pas exactement quelles sont les motivations de la Cour. Et même si on bloquait les choses jusqu'à la veille des élections, et donc vous ne serez pas en mesure de saisir... Vous savez que devant la Cour, non seulement nous avons saisi la délégation de la Cour ici, sur... le caillassage de l'arrêt de la Cour, de la décision de la Cour pénale internationale qui s'est fait ici. Parce que ce qui s'est fait, c'est très grave. Les arrêts de la Cour ne peuvent être interprétés que par la Cour. Les arrêts de la Cour ne peuvent être appelés ou faire l'objet de révision que devant la Cour. Mais nous nous sommes retrouvés devant une Cour constitutionnelle congolaise en train d'interpréter un arrêt de la Cour pénale internationale. Mais on croit tomber du ciel. C'est du raccordement frauduleux. Je n'ai jamais vu ça de moi. Comment corriger cette situation? Il faut absolument que le peuple congolais puisse élire des dirigeants suivant ses attentes pour refondre toutes ces institutions de la honte. C'est ça la quintessence de la démarche. Ces élections qui sont attendues pour le 23, mais vous posez énormément de préalables. Non. Des contraintes qui montrent que, apparemment, comme si l'opposition n'est pas prête à affronter les candidats de la majorité. Neuf préalables. Oui. Premier préalable, pas de machine à voter. Oui. Comment peut-on aller à une élection qui est un processus normé, c'est-à-dire qui doit se fonctionner devant la Constitution, suivant les lois, où la loi électorale interdit, à l'article 237, la machine à voter. La loi électorale, les mesures d'application, les calendriers de la CENI prévoient les votes à bulletin. Et vous venez avec un outil qui va servir, semble-t-il, d'imprimante de bulletin de vote. Mais cette imprimante fonctionne avec le clé USB pour reprogrammer les candidatures, pour transmettre les résultats, pour agréger les résultats, et tout cela en violation de l'article 67 de la loi électorale qui dit que lorsque vous utilisez ces machines et que vous devez transmettre le résultat par voie électronique, vous devez au préalable vous concerter avec les parties prenantes. Il n'y a pas de concertation. Donc, nous devons aller dans une élection imposée sans concertation. Premier préalable. Deuxième préalable, les fichiers électoraux. Comment peut-on aller aux élections avec un fichier électoral qui présente plus ou moins 10 millions d'électeurs à problème sur 40 millions? Vous savez qu'en 2011, le président Kabila a gagné les élections avec 8 millions de voix. Et celui qui venait avec, après lui, le président Tshisekedi, venait avec 6 millions de sang. Donc, vous voyez 10 millions. Et dans le 10 millions, il est clair qu'il y a 6 millions d'électeurs sans empreinte. Donc, des électeurs sans empreinte. Donc, on doit aller aux élections sans cet élément-là, de notoriété du fichier. Troisième
élément. Nous avons des élections qui se font dans un contexte où il n'y a pas la liberté des manifestations, où il y a des détenus politiques, le Franck Diongo, les Muyambo, et d'autres, les Firmé Ngambi et les autres, dans un état de type tortionnaire et autoritaire, sans qu'on respecte l'accord que tout le monde a signé. Donc on doit aller aux élections parce qu'il faut aller aux élections. Quatrième élément, on doit aller aux élections injustes où on empêche un candidat qui est attendu dans toute la République et qui, pour ses frères et ses sympathisants, notamment au Katanga et ailleurs, est empêché de rentrer au pays pour poser sa candidature. Ou qu'on enlève, selon les humeurs, on enlève Bemba en instrumentalisant la Cour constitutionnelle. Comment on va aller à une élection avec une justice au garde à vous, au service d'un pouvoir? Donc c'est impossible maintenant d'affronter ces élections. Nous sommes... Les élections, nous disons, nous devons aller aux élections. Mais des élections libres, transparentes, et pas une parodie des élections. Est-ce que vous pensez que tous ces préalables-là peuvent être réalisés dans... C'est un problème de bonne volonté. Parce que, je peux vous donner les cas... Faire le toilettage, par exemple, du fichier électoral. Le fichier électoral est facile. Ils ont un fichier de 40 millions. Ils n'ont qu'à faire extirper les électeurs sans empreinte. Prendre un mois, ça peut prendre Non, c'est l'informatique. Aujourd'hui, l'informatique, c'est facile. Parce que pour connaître le nombre des gens des sans empreinte, lorsque l'équipe des auditeurs et les experts sont arrivés, mais c'est un clavier, vous les enlevez. Et le responsable de l'informatique de l'époque, dès que nous sommes arrivés, les experts, ils ont dit, voilà, j'ai 6 millions, dont 16,6% d'électeurs sans empreinte. Ben, on les extire. D'ailleurs, l'article 18 de la loi de décision de mise en œuvre de la loi électorale impose à l'article 18 que lorsque on affiche, après consolidation, la liste des électeurs, il faut distinguer, un, les électeurs valides et deux, les électeurs qui sont irréguliers. Donc, si on enlève ces gens-là, on va aux élections sans problème. De toute façon, dans tous les pays du monde, vous ne pouvez pas empêcher les parties prenantes à toucher le corps électoral. C'est ça la clé même de la Russie. On comprend déjà que la CENI serait en train d'afficher. C'est différent de liste. Ça n'obéit pas. C'est un affichage que je dirais irrégulier. Parce que l'affichage doit se faire devant au niveau de chaque antenne. Moi, j'appelle mon antenne à Bouéné chaque jour. Il n'y en a pas. Donc, vous devez afficher. Mais il ne faut pas afficher n'importe comment. Il faut afficher la liste des irréguliers. Je prends le cas de Boende, où je suis candidat. Député national. Député provincial. Voilà, et national aussi. 70 000 enrôlés. On a enlevé 33 000. Mais il faut qu'on affiche dans les 33 d'où venaient les autres 33. Et pourquoi on les a enlevés? Qui a été derrière cette manipulation malveillante? Jacques Jolie, nous poursuivons cette mission, ce plateau spécial. Mais je voudrais revenir sur la question de la rencontre de l'opposition, du leader de l'opposition au niveau de Bruxelles. Nous apprenons en même temps qu'il y aura une tournée, peut-être ce lundi. Est-ce que vous confirmez l'information? Je crois que probablement l'équipe des leaders pouvait être en Afrique australe dans les cadres de la rencontre avec la SADC pour discuter de cette question. Il ne s'agit pas d'un phénomène étrange. Vous avez suivi, lors du dernier sommet de la SADC, le président de la Namibie a dit que le processus devait être inclusif. Vous avez suivi aussi le président Lungu qui a reçu, n'est-ce pas, les délégués de la CENCO. Il était aussi très préoccupé par les nouvelles qui venaient de la République démocratique du Congo. Et tous insistent sur un processus électoral
inclusive. On a parlé de la Belgique, on a parlé d'Angola. Voilà. Pourquoi on le fait aussi. Vous savez, on est dans un monde qui est de plus en plus un village planétaire. Je prends le cas aujourd'hui du Venezuela. Vous savez qu'au Venezuela, à cause de la mauvaise gouvernance électorale et la confusion, l'ensemble des pays de l'Amérique latine subissent les contre-coups de cette mauvaise gouvernance électorale parce qu'il y a des réfugiés. La République démocratique du Congo, c'est 80 millions d'habitants. Si nous avons des élections chaotiques qui amènent à la contestation, eh bien, c'est tous ces pays de l'Afrique australe et de l'Afrique centrale qui seront touchés. Donc, il est important que nous puissions avoir de bonnes élections. Vous savez, en 2011, quand on nous parlait de cela, nous prenions ça aussi à la légère. Mais la crise électorale a des répercussions sur la légitimité et sur la paix. Je crois que nous avons suffisamment dans l'histoire de notre pays des éléments qui peuvent nous amener à chercher à avoir de bonnes élections et non des élections dans l'arrogance. D'accord, c'est très bien dit, monsieur le professeur Jacques Joly. Mais avant que je passe à une autre question, c'est au-delà aussi de la confiance entre les leaders de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi ceux qui sont là, c'est vrai que Bemba est invalidé, Mozito est validé également, il y a le cas de Moïse Katumbi exclu et d'autres, c'est vrai, est-ce que vous avez la confiance mutuelle entre les leaders de l'opposition? Cela veut dire que la question est très simple. À supposer que nous allions aux élections le 23 décembre, Kamere qui est validé, il y a Félix Tshisekedi qui est validé, il y a Matungulu et aussi il y a... par exemple, Tedongoy, par exemple, et même c'est des amis de l'opposition. Goubé. Voilà. Est-ce que ceux-là pourront accepter d'aller aux élections en laissant de côté, par exemple, ou dire, écoutez, on s'en passe de Bemba, on s'en passe également de Mozito, autant de Moïse Katumbi, on va y va. C'est un problème à des niveaux. D'abord, au premier niveau, au niveau global. Il ne suffit pas d'être candidat. Si vous croyez que vous êtes candidat ou vous n'êtes pas candidat, vous avez résolu le problème. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que nous voulons, à partir du moment où vous êtes dans une opposition progressive, nous voulons arriver à l'alternance. Et on arrive à l'alternance par des bonnes élections. Vous voulez aller aux élections avec la machine à voter? Mais vous-même, vous êtes convaincu qu'il y a déjà un dauphin qui est dans la machine. Donc, vous pouvez y aller. Vous voulez aller aux élections avec... Il y a d'abord des faits objectifs. Où tout candidat responsable, à moins d'être un candidat de jactance, vous voulez qu'on vous connaisse. Mais si vous êtes un candidat responsable, vous devez aller à des élections responsables. Ça, c'est d'abord de un. De deux, ça, c'est mon analyse à moi. On ne gagne pas les élections parce qu'on est candidat. On gagne les élections parce qu'on parvient à fédérer autour de soi. Dans la sociologie électorale congolaise, vous pouvez obtenir 98% de voix dans votre village. Mais vous allez avoir 2% à Boudjala si les amis de Boudjala ne partagent pas avec vous la même conviction. Peut-être pour compléter la question de Michel, donc il y a 9 préalables au total. Oui. À supposer que les pouvoirs de Kinshasa, la CENI arrivent aujourd'hui, a dit par exemple, écoutez, mettons de côté la machine à voter, extirpons du fichier électoral les 10 millions d'enrôlés fictifs, acceptons la présence de la force régionale de la SADC, acceptant l'implication effective de la MONUSCO dans les processus électoraux, mais maintenant l'exclusion et l'invalidation de Bemba, Moïse et les autres. Est-ce que les autres seront-ils prêts à accepter? Pourquoi vous voulez? Ou bien ils vont se dire, bah, écoutez, nous avons obtenu déjà 50% de nos revendications. Pour moi, c'est un package. Acceptons d'aller. C'est un package. Mais on n'a jamais connu les élections parfaites aussi, monsieur. Ah non, non, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais on ne doit pas non plus connaître... Des... à 100% pour les élections. Non, ça c'est clair. On ne doit pas non plus connaître la parodie d'élection. À qui profite cette démarche? De l'opposition. Vous avez attendu seulement l'invalidation de Bemba, Mozito pour... Vous êtes des journalistes politiques avertis. Si vous voyez toute la communication de l'opposition depuis 2 ans,
quand on demande le respect de la décrispation, ça date depuis 2016. Lorsqu'on demande la libération de Muyambo et des autres, ça date depuis 2016. Lorsque nous demandons le retour de Moïse, ça date depuis longtemps. Lorsque nous avons signalé l'inclinaison ou les complots qui se préparent au niveau de la cour, ce n'est pas maintenant. Donc, on ne peut pas dire que nous faisons sortir ces éléments. Quand l'audit du fichier électoral a été fait par l'OIF, ce n'est pas l'opposition qui a inventé ces éléments-là. Si vous prenez le rapport de l'OIF, c'est dit. Rapport, clairement. Mais ce n'est pas suivi, malheureusement. Oui. En tout cas, on a quelques minutes qui nous restent, professeur. On parle un peu du 7 septembre. Ce sera le verdict. Oui. Dans l'affaire dite de simulation. Ça, c'est au niveau de la première instance, la chambre de première instance de la CPI. Voilà, heureusement, vous le soulignez. Parce que il y a des juristes qui confondent une décision définitive et une décision irrévocable. Oui. Le 7 septembre, donc, les juges vont rendre leur verdict dans la chambre de première instance. Mm-hmm. De quoi doit-on entendre? Ben, il n'y a que les juges qui peuvent dire ce qu'en quoi on peut s'attendre. Mais, beaucoup espèrent un non-lieu qui sera déclaré. Oui, mais au niveau de la défense, c'est possible. Ce n'est pas impossible, Michel. Lorsque on a été condamné au premier degré à 18 ans et qu'on a été acquitté en appel, totalement acquitté, qu'est-ce qui est difficile maintenant dans une affaire, comme on dit, accessoire, où on a été condamné à 12 mois. Est-ce que c'est une date fatidique pour le MLC? Non, le MLC a vu plus que ça, Jean Médard. Le MLC a perdu son leader depuis 10 ans. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ans. Mais cette maison tient. Donc, nous sommes en appel en ce qui concerne la sentence. Mais nous avons dit que ce n'est qu'une condamnation en première instance, comme c'était d'ailleurs dit dans l'extrait. On ne va pas y revenir. Mais il est dit que cette sentence-là peut faire l'objet d'appel. Et que l'ensemble du dossier de Jean-Pierre Bemba peut faire l'objet d'une révision. Alors, moi, je suis un peu étonné parce que... Donc, les gens ne font même pas le droit comparé pour savoir ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe au Brésil, pour voir. Donc, ce sont vos amis de la Cour constitutionnelle. Voilà. Vos amis constitutionnels. Donc, professeur, le 17 septembre, cette décision peut également faire l'objet d'un appel. D'un appel. C'est-à-dire que, vous savez, ce n'est pas un fait nouveau. Si vous prenez la Constitution, en ce qui concerne, par exemple, la fin du mandat de sénateur, on dit... On perd son mandat de sénateur lorsque on est condamné à une décision irrévocable pour une infraction intentionnelle de plus de 12 mois. Pourquoi on fait ça? C'est pour la sécurité juridique. Vous vous imaginez quelqu'un qui est condamné en appel et que vous vous permettez de l'exclure. Maintenant, il va en révision. Il est réhabilité. Vous faites comment? Vous voyez le problème? Donc, nous sommes en appel. Alors là, allez faire comment? Pardon? Si on arrivait à cette hypothèse... Mais c'est justement la situation d'insécurité juridique créée par la Cour. Vous allez revenir vers la Cour constitutionnelle. Mais c'est ça le problème. C'est là où nous déplorons la mauvaise foi ou l'incompétence. Une affaire qui est encore en prosecution. Et l'extrait vous dit, il est condamné au premier degré. En première instance. Donc, c'est un homme qui est encore... Parce que les droits qui sont en jeu ici, ce sont les droits fondamentaux, les droits civils et politiques. Et ces droits-là, pour ces droits-là, quelqu'un peut mourir. Vous vous imaginez, vous privez un homme de droit de participer à la vie politique. Donc il devient quoi? On a pris beaucoup de temps pour ça, professeur. Double événement, le 15 Il devient quoi? Un sous-homme. Vous vous rendez compte? Mende vous dira qu'en dehors de la candidature, il y a une autre vie. Pardon? Mende vous dira qu'en dehors de la candidature à la présidentielle, il y a une autre vie. Mais c'est à la personne d'être qui est privée d'en décider et que ça soit conforme au droit. C'est ça ce qu'on appelle un état de droit. Malheureusement, pour accéder à la culture de l'état de droit, lorsque nous avons vécu dans les villages et dans la sauvagerie, on ne croit pas à l'état de droit. Très bien dit, professeur. Double événement le 15 septembre, demain, d'abord... Le meeting de vérité du MLC,
oui. Au niveau du siège de l'interfédération. Matinée politique. Matinée politique, oui. Mais de vérité, on dit de vérité. En même temps, aussi la rentrée parlementaire, hein, avec tous les enjeux qui en découleront. D'abord, tu vois un enjeu dans ces parlements-là ? Non, on sait que c'est une session spécialement budgétaire. Est-ce que... Ça sera éminemment politique. Mais d'abord, la matinée politique pour demain. Qu'est-ce qu'il faut attendre ? Les militants seront là ? Les militants seront là pour qu'ils sachent que le droit ne se donne pas. Il faut savoir user de ce droit. Nous savons que nos militants ont été blessés. Ils sont marqués par la douleur. Même les mais Congolais, hein. Ils doivent, tous les Congolais d'ailleurs, mais ils doivent se mettre debout. C'est comme vous avez dit la dernière fois dans votre déclaration, vous avez fait preuve de beaucoup de volonté, mais que personne ne vous reproche demain les actions des citoyens. Oui, mais le droit sont faits pour être réclamés. Ils ne doivent pas croire qu'on viendra leur faire un don. Donc, ils ont le droit, suivant la Constitution. Est-ce que ce samedi, ce serait déjà le début d'activité annoncée par l'UMLC ? Non, nous sommes en activité depuis toujours. Mais... Des activités visant... Notamment les grandes envergures, comme on vous l'avait dit. Je vous dis que la direction politique a le droit de tenir informé la base de l'évolution. Comme si nous recevons tous hésitez, chaque jour. Qu'est-ce vous que hésitez, vous... Nous hésitons quoi au niveau du MLC. Nous hésitons sur on l'a senti un peu hein, au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle. Non, nous étions militants est devenu écoutez, ici, je dois vous affirmer, il voulait tout de suite marcher. Que c'était un on coup a dur. Senti un calme du côté des autorités du MLC. C'est comme si vous hésitez à la fois. Non, on n'était pas hésitant. C'est un choix qui a été fait par le président Jean-Pierre. Je peux vous dire que ce n'était pas un choix facile, c'était un choix cornélien. Au départ, le président ne voulait même pas qu'on aille devant la Cour. Parce qu'on savait comment ils allaient réagir. Mais il a dit, j'ai pris la voie de la légalité. Le président a fait 10 ans, presque 11 ans. Et son innocence a éclaté devant la Cour pénale internationale. Ce n'est pas ici qu'on va remettre en cause son honorabilité à cause, n'est-ce pas, des options ou des intérêts politiques à courte vue. Il a dit, on y va. Chacun va assumer sa responsabilité. Et demain, la direction politique doit informer la base. Moi, je suis président fédéral de la TUA. Parce que c'est chaque jour qu'on m'appelle pour dire, qu'est-ce que dit le président ? Qu'est-ce qui va devenir après ? Vous m'avez parlé de la poursuite de l'affaire devant la Cour pénale internationale. Il faut qu'on leur explique. Quelles sont les possibilités que nous avons sur le plan du droit international africain et du droit international général ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais ça, ce sont des actions juridiques. Mais les droits ne suffisent pas, sur le plan politique. Mais en attendant la réaction officielle du président national, oui. Quelle est la réaction du MLC ? Qu'est-ce que vous dites au niveau du MLC ? Mais c'est ce qu'on va dire demain. Il faut attendre demain. Demain, nous allons annoncer l'élection. Pas simplement au niveau du MLC, au niveau aussi de l'opposition. Demain, il y a aussi un communiqué de l'opposition, de l'ensemble des candidats. Ils vont aussi annoncer un certain nombre d'actions. Est-ce que vous sentez ce soutien-là de vos collègues, de vos pairs, de vos amis de l'opposition par rapport à ce qui est arrivé ? Nous avons signé un communiqué commun et je vous assure que dans les jours qui viennent, nous allons signer un acte d'engagement commun pour consolider la confiance. La rentrée parlementaire, vous êtes sénateur. Vous croyez qu'il y a quelque chose là-bas ? Vous essayerez demain ? Vous n'êtes pas déserté quand même. Pour faire quoi ? Mais ils disent qu'ils vont écouter les discours et peut-être préparer à envisager des motions. Vous savez, Nanga pour la gestion du bon, peut-être rapport, tout ça. Non, je crois que l'objectif, l'intérêt aujourd'hui du peuple congolais, c'est la requalification de nos institutions pour qu'elles assument réellement leur rôle. Et aujourd'hui, vous suivez des discours totalement aberrants des uns et des autres. Je crois que le plus important pour nous maintenant, c'est l'alternance. Préparer l'alternance. Il faut des institutions rénovées, animées par des personnes qui peuvent, n'est-ce pas, donner au peuple congolais l'espoir et leur place
dans les concerts de nations africaines. À vous entendre, on sent que le climat ou le processus électoral est crispé. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant faire concrètement? Qu'est-ce que vous attendez à quoi? L'apport de la communauté internationale et du peuple congolais. Qu'est-ce que vous attendez? La communauté internationale, nous voulons la saluer. Elle nous a accompagnés et nous accompagne encore. Vous voyez un pays comme les États-Unis qui permet de vous dire, monsieur, arrêtez avec votre histoire des machines à voter. C'est moi qui suis la plus vieille nation en matière de démocratie. Ne faites pas cela, vous ne voulez pas écouter. Vous êtes inspecteur général de l'IMLC. Le 30 septembre, ce sera donc le 20e anniversaire de votre parti, l'IMLC. Ça va se passer comment? Ce sera toujours dans la méditation ou bien l'IMLC envisage quelque chose? Nous n'avons jamais... 20 ans, c'est pas nous facile. Nous ne passons jamais à la méditation. Peut-être parfois, nous allons à l'église. Mais la prière, c'est une arme fatale dans les cas... C'est comme on dit ça, avec Dieu, nous vaincrons. Voilà, c'est la devise du MLC. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc nous mettons toujours Dieu en avant. Et c'est Dieu qui nous inspire et qui nous aide à tenir, qui nous a tenus pendant 10 ans et qui nous a remis Bemba. Et je crois qu'il sait, comme Moïse, il y a des millénaires, que la voie de libération d'un peuple n'est pas facile. Mais nous croyons que... Tôt ou tard... C'est pas pour rien que nous appelons mouvement de libération du Congo. Ça peut marcher le 23 décembre ou ça peut marcher au-delà du 23 décembre. L'essentiel, c'est que vous croyez... Nous croyons que, tôt ou tard, que il y aura ce un changement peuple, cette nation deviendra une nation de référence lorsque elle sera dirigée par des hommes qui, n'osent pas, seront mus par la vision de Dieu et de l'amour de leurs frères et sœurs. Avez-vous un message particulier à l'endroit de la population congolaise? Non, nous demandons à la population congolaise de rester vigilante, de savoir que c'est tel qui est le souverain primaire et personne, alors personne, n'a le droit de lui confisquer sa souveraineté. Jacques Ndjoli et Sengikeli, merci à vous. C'est merci moi qui vous remercie. Dans ce plateau spécial de CCTV, spécial plateau qui a donc abordé des questions relatives au processus, à l'évolution du processus électoral de la République démocratique du Congo, Michel Kouyapa et moi-même étions donc là pour vous servir. Mesdames et messieurs, nous aurons donc le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci donc à toute la grande équipe technique dirigée par Bruno Zinga et tous les amis qui étaient derrière les caméras ce soir, Jerry Mboka, Christian Banjolo, Doudou Montiri, mais aussi la supervision de monsieur Jean-Jacques Mamba, le directeur général d'intérim de CCTV. Merci à vous et à très bientôt.